Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, le Vlog de fin d'année, comme tous les ans, comme d'habitude. Oui, avec le petit chapeau et tout, comme l'année dernière. Je l'ai mis sur le côté, c'était marrant parce que je suis en train de la monter là. Et puis, ce matin, en train de tourner la vidéo. Et puis je vois une petite notification sur l'ordinateur, hein, vidéo de chronique du blindage. Donc j'arrête tout, je m'y précipite, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une vidéo des chroniques du blindage. Et puis c'est le vlog de fin d'année de notre ami Emilio, et lui aussi il a mis le même chapeau et tout. Alors je me suis dit, bon, voilà, c'est très bien, on a eu la même idée, les grands esprits se rencontrent. Voilà, de faire une espèce de vlog, un bilan de l'année avec le petit, je vais le mettre hein, finalement. Hein. Alors j'ai pas le même que le tien, Emilio. Voilà, tu vois. Moi il est pas musical, avec les lumières et tout. Toi j'ai vu que tu avais un truc de professionnel. Moi c'est un truc d'amateur, hein. Tu vois, c'est des gros lots à deux balles. Voilà, mais ça fait l'affaire, voilà. Donc, bienvenue sur cette vidéo, donc un petit vlog de fin d'année, et puis aussi l'occasion pour moi de faire un petit bilan, et puis de vous souhaiter les bonnes fêtes pour la fin d'année, etc. Okay. Alors, on va faire un petit bilan de l'année. Première chose, un peu moins de vidéos en ce moment, etc. Parce que bon, je vais rassurer tout le monde, j'ai reçu plein de messages, il y avait quelques-uns de mes abonnés, pardon, qui étaient au courant. J'ai des petits problèmes de santé, rien de grave. C'est le dos, voilà. J'ai mon dos qui merdouille. Donc j'ai eu une crise là, de sciatique au mois d'octobre, et là, il y en a une nouvelle qui a redémarré là, un peu. Donc là, je peux rester assis 30-40 minutes. Après, je suis obligé de me lever, de rester debout 30-40 minutes, de m'allonger 30-40 minutes, et de m'asseoir 30-40, etc., etc. Donc dans la journée, ça ne pose pas trop de problèmes. Dans la nuit, c'est compliqué, je ne peux pas dormir. Bon bref, voilà, je ne suis pas très maquette, atelier en ce moment, tournée, vidéo, machin, tout ça. Mais ça revient, voilà, petit à petit, je suis en train de me soigner. C'est long, hein. Quand on a un mal de dos, enfin, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent, qui m'ont envoyé des messages et qui ont eu les mêmes soucis. Quand on a ce genre de soucis, la remise en route, c'est long, c'est très long. Donc voilà, pas d'inquiétude, hein, ma vie n'est pas en danger, tout va bien. C'est juste, voilà, le dos, donc moins de maquettes, moins de machin. J'ai que deux montages en commission là en ce moment. Heureusement, je suis tombé sur des clients adorables qui m'ont dit, ouais, écoute Didier, il n'y a pas de souci. Normalement, j'aurais dû leur livrer la maquette, enfin, un le 15 décembre, un le 15 janvier. Celui du 15 décembre, le F15, là, bon, il a très bien compris, le client adorable, donc pas de souci. Donc je continue à travailler dessus, hein, doucement, mais bon, toutes les 30 minutes, je me lève, et puis voilà, donc c'est un peu plus long que d'habitude, surtout pour les vidéos. Donc ne m'envoyez pas, si les vidéos de montage en ce moment n'arrivent pas trop... Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est pas abandonné, c'est toujours en route, mais il faut que ça suive. Ok. Alors évidemment, dans ce contexte, le direct qui était prévu dimanche, là, l'après-midi, 14h, je vais devoir l'annuler, parce que faire un direct et me lever toutes les demi-heures parce que j'ai mal au dos, et puis bah, c'est pas possible. Voilà. Donc j'espère que ça va aller mieux là, dans la semaine ou la semaine d'après. Dès que je vois que je peux rester assis au moins 2 heures, hein, un direct avec des questions, 2 heures c'est bien, voilà, je ferai un petit direct. Ok, un pour les membres, et puis un autre le lendemain ou sur le lendemain pour tout le monde. Ok, voilà. Ok, donc excusez ceux qui, voilà, qui attendaient dimanche ou qui avaient prévu de me poser des questions dimanche, ben, laissez vos questions de côté, et puis la semaine d'après ou en fin de semaine, on verra. Parce que pour moi aussi c'est Noël, donc la famille, tout ça, machin. Mais bon, quand j'ai un peu de temps, je ferai un des directs, etc. Alors le petit bilan de l'année 2020 pour la chaîne Plastic Dream, ben, c'est super positif. Moi je suis vraiment super content. Bon, c'est vrai qu'on a été aidé par deux. Enfin, j'ai été aidé par deux événements. De l'année 2020, les confinements, évidemment. Donc quand il y a confinement, il y a beaucoup plus de monde à la maison, il y a beaucoup plus de monde qui regarde YouTube. Donc les vidéos de toutes les chaînes, je crois, sont un peu plus vues. Ok, donc évidemment, ma chaîne en a profité également. Ok, alors j'ai préparé des trucs de stats, là. Je vais vous montrer ça. Alors, boum, voilà. Voilà les stats générales. Donc vous voyez en haut, j'ai encadré en rouge, là, du 1er janvier au 17 décembre, date à laquelle je tourne cette vidéo, 1,6 million de vues. J'ai du mal à me réaliser, hein. Je suis comme Emilio, moi j'ai du mal à me rendre compte. Tu vois, et 211 000 heures de visionnage. Alors là aussi, ça m'a... Alors j'ai calculé, pour une question de rigoler un peu, enfin, tu vois, de me rendre compte un peu mieux. Ça fait 8791 jours de visionnage.
Ok, et si on transforme ça en année, 24 ans. C'est-à-dire, si vous voulez regarder mes vidéos et arriver à 211 000 heures de vidéos, bah vous vous asseyez devant votre ordinateur, un paquet de chips, un paquet en dessous, parce qu'il va falloir faire pipi et tout ça, une centaine de bouteilles de flotte, et puis vous commencez à regarder mes vidéos, 7 jours sur 7, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, 365 jours par an, et dans 24 ans, vous aurez vu autant d'heures que 211 000 heures de vidéos. Donc je suis très content, c'est super, tu vois, c'est que mes vidéos, pas tous, il y a des vidéos qui marchent beaucoup plus que d'autres, d'autres restent à 3000, 4000 vues, des petites vidéos comme ça, tu vois. Mais les vidéos de montage, les tutoriels, surtout sur les tutoriels aérographes, là ça monte à des boum, 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 donc c'est très très bien. 24 ans de visionnage. Super, en un an, hein, cette année, hein. Tu vois, si je rajoute l'année dernière et l'année d'avant, ça monte encore plus. Bon, donc ça c'est super, je suis vraiment content. Ensuite, les fameux j'aime, les fameux j'aime pas. Bon, vous voyez, ça reste quand même hyper bien. Toute l'année, là, pareil, du 1er janvier au 17 décembre, 96,9% de j'aime. Donc j'ai eu 59 036 j'aime et 1907 j'aime pas. Donc ça, pour relativiser, bah, imaginez que je fasse une démo dans une salle réelle, tu vois, avec 61 personnes devant moi. Je fais mon truc, tout ça, tu vois, et à la fin, je demande est-ce que ça vous a plu. Il y a 59 personnes qui me répondent oui, ça m'a plu, et 2 personnes qui me répondent non, ça m'a pas plu. Ça reste super, tu vois, 96,9% de gens qui aiment mes vidéos, c'est top. Donc ça, merci à vous, hein, ouais, comme quoi c'est important le petit pouce bleu, puis ça permet à Plastic Dream, voilà, de rester un peu au top pour les débutants, surtout quand ils vont taper dans le Google machin, enfin tu vois, dans la barre de recherche, que mes vidéos arrivent avant, pas obligatoirement premier, mais enfin au moins dans les 3-4 premiers, que les débutants découvrent Plastic Dream, ok. Ensuite, alors, ça c'est les commentaires, ben, là aussi c'est vraiment pas mal. Parce que les commentaires, 33 866 commentaires dans l'année. Et on a eu 8520 nouveaux abonnés par rapport à 2019, fin 2019. Donc c'est super. Il y a beaucoup d'abonnés, il y a pas mal par mois. Là, on va arriver, on n'est pas loin des 15 000. Hein. Donc c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Et voilà, tu vois, ça fait 95 en moyenne. 95 commentaires par jour. Donc vous commentez, voilà. Et là, c'est que sur YouTube. Hein. Après, il y a mes emails, il y a plein d'autres moyens de me contacter. Tu vois. Donc tu vois, quelquefois, on me pose des questions, puis un mois ou deux mois après, dans un direct ou ailleurs, on me dit « Ouais, mais de toute façon, je t'envoie un email, tu m'as même pas répondu. » Ou « Je t'ai fait mis un message sur une de tes vidéos, pardon, et tu m'as pas répondu. » Bah ouais, parce que là, tu vois, 95 par jour, ça fait beaucoup de répondre à tout le monde. Donc, je mets souvent des petits pouces bleus ou le petit cœur, là, tu vois. Mais faire une longue réponse à chacun, il faudrait que j'embauche un secrétaire ou je sais pas quoi, tu vois, parce que là, c'est trop. T'ajoutes à ça mes 150-200 emails jour, ça fait un boulot, je peux pas toujours répondre. Donc, des fois, je pique une question à droite, à gauche, j'envoie une longue et puis je sais qu'elle intéresse aussi d'autres personnes, donc là, bon, je prends un peu de temps pour répondre, mais il y a des fois où je peux pas répondre, quoi. Voilà, je peux pas. 95, ça fait beaucoup, hein. Donc il suffit que je reste, tu vois, quand je bosse, 2-3 jours sans consulter, sans voir mes vidéos, tu vois, je passe pas non plus mes journées sur Plastic Dream, et là, j'ai 200, 250 questions, machin, réponse. C'est un peu compliqué, voilà. En tout cas, bon, c'est positif. Continuez à commenter parce que des fois j'y réponds. Et puis aussi parce que c'est pris en compte dans l'analyse YouTube pour mettre la chaîne en avant, etc. Donc ça, c'est vraiment extra. Et puis une petite stat pour le forum. Voilà, je vais vous montrer un peu, même ceux qui ne sont pas sur le forum. Mais en gros, voilà, surtout depuis septembre, là, comme vous pouvez le voir sur le graphisme, on a à peu près 200, entre 200 et 250 interactions par jour sur le forum, hein. Soit un nouveau montage, soit des commentaires, soit un nouveau tuto, soit... Donc c'est plutôt pas mal. Bon, comme vous voyez, l'année a vraiment été super, quoi. Vraiment été super pour Plastic Dream, c'est vraiment génial. Là, je vous ai remis le graphisme là, pour les commentaires et les nouveaux abonnés, mais dans le graphisme, là, vous voyez, on voit très très bien les deux confinements. Hein. Le premier confinement de mars, là où ça monte tout haut,
beaucoup de commentaires, les gens avaient un peu plus de temps pour commenter. Et puis là, le petit confinement qu'on vient d'avoir, voilà, au mois de novembre. Donc comme quoi, vraiment, ça a aidé. Mais voilà, je suis bien, je suis vraiment content, je suis vraiment satisfait. Vous savez, au début, quand j'ai commencé Patrick Grimm, je le répète chaque année, mais je pensais arriver à 2000, 3000 maximum. J'ai fait la fête quand je suis arrivé à 5000. Là, on arrive à 15 000. Donc c'est vraiment top, top, top. De plus en plus de nouveaux abonnés. En plus, je le vois bien, hein, que c'est pas des gens qui sont des super pros de la maquette qui arrivent, tu vois. C'est, les gens ont vraiment compris que Plastic Dream, c'était pour les débutants, quoi. Donc il reste un temps. Après, ils vont voir le chat aussi, hein, c'est fait pour ça, tu vois. Mais que voilà, je fais vraiment des tutos, tout ça, pour les débutants. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc à tous ceux qui m'ont mis des pouces là, ou qui des commentaires, et puis qui me suivent, et puis à ceux qui sont devenus membres, etc. Merci, merci beaucoup, parce que cette aventure, c'est avant tout grâce à vous. Si personne n'avait regardé, personne n'avait mis de pouce bleu, Plastic Dream, ça redirait à moi, et puis je serais dans mon coin à faire des maquettes, hein. Je continuerai à faire des maquettes, mais voilà, moins de vidéos et pas de vidéos du tout, et tout ça. Donc merci, merci, merci beaucoup. Que dire de plus ? Je pourrais passer derrière l'écran, vous faire un petit bisou, je le ferai, mais je peux. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, voilà, je passe à une disposition d'écran un peu plus grande, que vous me voyez mieux, parce que je vais vous montrer un truc. Pour le final, on fait comme tous les ans, je fais un tirage au sort au moment de Noël, et puis j'offre un kit. Voilà. Donc là, on va faire la même chose. En regardant la vidéo liminaire, m'est venue l'idée, c'est vrai, c'est pas mal. C'est-à-dire que je vais faire vraiment un tirage au sort parmi les commentaires là, sous la vidéo. Voilà, même un commentaire, je mettais juste salut, très bien, ça compte comme un commentaire. Mais je vais faire un tri quand même, voilà. Parce qu'on peut savoir derrière, hein, le nombre de commentaires que vous avez posés sur la chaîne. Ceux qui voient la vidéo, la Plastic Dream, pour la première fois, et qui vont mettre pour la première fois un commentaire sous une vidéo Plastic Dream, je vais les exclure du tirage au sort, évidemment. Si vous avez posté deux commentaires, je vais vous exclure également du tirage au sort. Je vais inclure les membres, les abonnés dans le tirage au sort, que si voilà, vous venez régulièrement et vous posez des commentaires régulièrement, etc. etc. Voilà, au moins que ce soit quelqu'un qui regarde mes vidéos et qui apprécie la chaîne, qui soit tiré au sort. Quoi. Ok. Donc cette année, je vais offrir à l'un d'entre vous cette boîte. Voilà. Donc une maquette de chez Dragon. J'avais fait la revue de boîte. Hein, il n'y a pas très longtemps, donc c'est une super, super, super maquette, même avec la petite figurine, tout ça, auquel je vais ajouter ça, un petit bouquin, là, tu vois, avec une photo de détails, machin, tout ça, patati patata. Donc je vais mettre tout de suite dans la boîte. Donc voilà, tous ceux qui laisseront un commentaire aux habitués, enfin tous les habitués de la chaîne, hein, petit commentaire en dessous, salut, machin, c'est ce que vous voulez. Et puis, je ferai un tirage au sort, et puis la prochaine vidéo, prochain direct, quand on fera machin, j'annoncerai le vainqueur, et puis ben, je vous enverrai ça par la poste. Voilà, comme ça, ça fait un espèce de petit cadeau, comme ça, symbolique, aux abonnés de ma chaîne. Ok, je ne peux pas tous vous faire un cadeau, 15 000, ça me ferait quand même des frais d'envoi un peu excessifs. Bon, mes amis, c'est le moment de vous quitter. Cette vidéo est terminée, alors laissez-moi vous souhaiter de très agréables fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2021 pour une année encore maquette, plein de projets, des tutos, des machins, etc. Bon. Et puis voilà, profitez-en bien, surtout ce moment en famille. Faites attention, protégez-vous tout de même. Ok, et puis on se dit à très 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 bientôt. Ok, à plus, ciao.